Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de solfège pour les nuls. J'avais dit pour les danseurs dans le titre pour faire classe, mais en vrai le principe c'est, imaginons que vous n'y connaissez rien du tout et qu'on parte de zéro. Ça nous permettra aussi, même si vous partez pas totalement de zéro, de nous mettre tous d'accord sur les termes et qu'est-ce qu'on utilise en cours pour que ça fonctionne au mieux et que ce soit limpide, que ça devienne limpide, parce que je sens bien... De manière générale, en cours, que c'est des notions qui manquent énormément. On a séparé très très longtemps la formation musicale de la danse. Moi, pendant des années, j'ai appris la danse, travaillé la danse, sans me préoccuper de savoir plus sur la musique de manière générale. J'écoutais énormément de musique. J'étais très mélomane, je le prenais totalement en compte quand je dansais. Par contre, j'avais aucune notion technique, y compris de terminologie. Ce qui ne m'a pas empêché de m'éclater et de progresser pendant quelques années, mais quand je suis devenue musicienne par la suite et que j'ai commencé vraiment à creuser, en particulier les notions rythmiques, ça a ouvert un nouveau monde en tant que danseuse et ça m'a permis d'aller expérimenter des choses différentes. C'est la raison pour laquelle nous, à Swing & Shout, on axe de plus en plus nos cours sur la musique également et on l'intègre de plus en plus dans les cours réguliers. Ça nous paraît fondamental. Donc cette première vidéo va s'adresser du coup aux danseurs de swing en général, quel que soit le type de danse, solo, à deux. Et puis ça peut être aussi intéressant pour les musiciens, tout simplement pour qu'on voit si on peut se mettre d'accord sur les termes basiques. Voilà un petit peu l'idée. Alors à savoir aussi que dans cette vidéo, pour des questions de durée, pour alléger les contenus et puis pour pas vous farcir la tête de choses complexes, j'ai fait le choix délibéré pour l'instant de pas rentrer dans les notions de binaire et ternaire, ni temps fort, temps faible, ni syncope, ni tout ça. Toutes les choses qu'on commence à aborder quand on parle de swing et qui fait que quand on entend, on dit « Ah, ça swing », ça me donne envie de swinger sur cette musique-là en particulier. C'est les notions que j'aborderai peut-être sur d'autres vidéos si vous en faites la demande. Ou si ça me prend. En tout cas, sur cette vidéo-là, on va rester vraiment très, très, très basique et essayer de se mettre d'accord sur une écriture musicale fondamentale. Donc je vais m'axer totalement sur le rythme, particulièrement sur le rythme et pas sur les mélodies. Ok, et ben c'est parti. On va commencer déjà sur les histoires de terminologie. La première difficulté, quand on parle de rythme, c'est de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire quand on parle de pulsation ou de temps ou de tempo ou de rythme, de mesure, tout se mélange un petit peu et on ne sait pas très très bien de quoi on parle exactement. Alors, je vais mettre en route un métronome. Vous allez voir, c'est très très agréable. Voilà, donc les clics que vous entendez sont des battements réguliers. Il y en a un qui est plus aigu. Celui qui est plus aigu, il arrive tous les quatre temps. Moi, je considère que c'est le quatrième temps. Ça me permet de savoir où est le 1. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moi, c'est comme ça que j'ai réglé le métronome, mais évidemment, il y a plein de manières de faire. Ce qu'on entend, les clics, ce qui est perceptible à l'oreille, c'est ce qu'on va appeler les pulsations. Donc là, on entend un enchaînement de pulsations. Quelle est la définition de la pulsation, c'est un battement régulier qui va indiquer le début de chaque temps. Donc sur le schéma que vous allez voir là, on voit cette ligne qui est horizontale. On va le lire de gauche à droite. Et j'ai représenté la pulsation par des petits points noirs. Top, 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 top. Donc les pulsations sont les points noirs. Et ce qu'on va appeler un temps en musique, ça va être l'intervalle qui sépare deux pulsations. Donc on pourrait se dire le temps, la pulsation, c'est la même chose. En réalité, non, c'est pas la même chose. La pulsation, c'est le tic-tac. Le temps, c'est l'espace, c'est l'intervalle qui sépare les deux. C'est un petit peu important de savoir quand on parle de danse, par exemple, quand on dit ça dure de temps, il y a bien une notion de durée là-dedans. Ensuite, dans un second temps, je vais faire une petite pause sur le... Hop là, voilà, une petite pause sur le métronome parce que c'est usant. Ce qu'on va appeler le tempo,
C'est la vitesse des pulsations, c'est-à-dire si les pulsations sont très rapprochées ou très éloignées, et ben ça va accélérer ou ralentir le tempo, la musique, le morceau qu'on entend. Ils sont plus ou moins rapides, on s'en rend très bien compte quand on danse dessus. Donc le tempo, c'est la vitesse des pulsations. Alors, on va évaluer cette vitesse grâce à un système de calcul qu'on appelle les BPM. Ça, vous avez dû en entendre parler pas mal en cours. Le principe des BPM, c'est ce qu'on appelle des battements par minute, tout simplement. Et ce sont c'est le nombre de battements qu'on va entendre pendant une minute. Donc ça, si je mets, par exemple, hop, je remets mon petit clic. Là, je mets mon petit clic à 100 BPM. C'est-à-dire que si je compte combien de clics pendant une minute, eh bien, il y en a 100. Je vais pas le faire. Voilà, donc c'est vraiment lent pour des danseurs de swing. Là, je suis à 130 BPM. Donc, on reste dans un truc assez tranquille, un peu plus médium. J'augmente. 150 BPM. Là, on commence à aller un peu plus vite. 180. Alors généralement, on commence à laisser tomber les triples pas quand on est peu expérimenté ou qu'on est peu sportif. Voilà, 200 BPM, là on commence à gazer pas mal. 230. 250. Voilà, là on est vraiment sur du fast, hein. On en voit. Je vais couper ce charmant métronome. Je pense que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à aller retourner voir la vidéo de Guillaume qu'il a postée mardi. Oui, il se challenge justement, il vous challenge sur les basiques Charleston en partant d'un BPM tranquille et en accélérant de plus en plus. N'hésitez pas à aller le revoir maintenant que vous savez exactement de quoi il s'agit. Ça peut être pas mal. Donc, pour terminer sur ces premières définitions rythmiques qui sont vraiment très intéressantes, moi, il y a un truc qui m'aide, c'est de pouvoir comparer ça au battement du cœur. Ça aide assez bien à comprendre de quoi on parle. Quand on écoute notre cœur battre, ce qu'on entend, c'est les pulsations, les battements. Et ce qu'il y a entre deux battements, les deux pulsations cardiaques vont être séparées par une certaine durée. Cette durée-là, c'est le temps. Le temps qu'il y a entre les deux battements. Et le tempo, c'est la vitesse à laquelle bat votre cœur. Ce qui bat lentement ou très vite. Ça peut vous aider à comprendre la différence entre battement, enfin pulsation, temps et tempo. Voilà pour ça. Dans un second temps, on va plus se pencher sur l'écriture musicale en elle-même. Donc pour ce qui est de l'écriture musicale, je vous ai fait un schéma, pour que ce soit clair, sur la portée et la mesure. Donc là, j'ai fait un schéma très épuré avec juste des lignes horizontales et des lignes verticales. Donc les lignes horizontales qu'on voit, ce qu'on appelle la portée, ces lignes-là vont servir à nous donner une indication sur la hauteur des notes. Donc en fait, on va écrire des notes sur ces lignes-là et en fonction de où on les écrit, les notes vont être plus ou moins graves ou aiguës. Donc si j'écris ma note sur la ligne du bas, elle va être plutôt grave et si je l'écris sur la ligne du haut, elle est plutôt aiguë. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, en termes rythmiques, ça nous importe assez peu. On va simplifier l'écriture. Très vite, je vous ferai dans les schémas suivants, je ne mettrai plus qu'une ligne pour simplifier. Puisque nous, les hauteurs de notes, pour l'instant, dans ce qui nous intéresse, ça, on ne va pas s'en servir. Ensuite, il y a les lignes verticales. Les lignes verticales sont des barres de mesure. Ces barres de mesure, elles ont une seule utilité, c'est de faciliter la lecture de la partition. Parce que si on imagine qu'on met plein de notes différentes entre ces deux barres, ben on est bien content que ce soit séparé par des barres, ça nous permet de nous repérer beaucoup plus facilement visuellement. Si on ne mettait pas de barres et qu'on avait tout d'un bloc, ce serait vraiment lourd pour le cerveau. Donc voilà à quoi sert une barre de mesure. Donc une mesure, ça va en écriture musicale, ça permet de se repérer beaucoup plus facilement, de lire plus facilement. Les mesures, elles ont des durées très variables. On peut faire durer une mesure de temps, 3 temps, 18 ans, en fait, peu importe, ça dépend comment c'est pratique pour le lire. Donc la personne qui compose et qui écrit le morceau de manière générale va aller choisir la durée de la mesure, c'est-à-dire le nombre de pulsations qu'elle va mettre entre deux barres verticales.
pour faciliter la lecture. Ok, donc voilà pour ce qui concerne la portée et la mesure. Donc du coup, les mesures, nous, en langage swing, c'est quasiment toujours des mesures qui durent 4 temps. Pourquoi est-ce que les mesures durent 4 temps? À ce moment-là, pourquoi nous, en tant que danseurs, on parle de 8 temps et on compte plutôt en 8 au lieu de compter en 4? Eh bien, tout simplement parce que à l'oreille, généralement, dans le swing, c'est plutôt des mots qui durent 8 temps. C'est très rare, en fait, qu'on se repère facilement à l'oreille en 4 temps. En fait, il y a une différence entre se repérer pour lire une partition, là, quand on n'est que en 4, sur des blocs de 4 temps, c'est beaucoup plus facile à lire, et écouter, à l'oreille, même un musicien, il va naturellement avoir tendance à entendre plutôt des blocs de 8 temps. Comme si les mesures à l'oreille, elles durent 8 ans, et les mesures à l'écriture, elles durent 4 temps. Voilà pourquoi on ne parle pas toujours la même chose en fonction des danseurs et de musiciens. Et c'est pas toujours facile pour les musiciens de faire la bascule au départ quand on compte en 8. Voilà la différence entre les deux. Donc là, on a parlé de portée et de mesure. Donc on va changer de document. Et on va parler des notes et de leur durée. Donc là, sur ce document-là, on voit que on va décider dans notre écriture swing, on va décider qu'une noire, elle dure un temps. Et on va décider qu'une blanche dure 2 temps, une ronde 4 temps et une croche la moitié d'un temps. C'est la moitié d'une noire, donc, la croche qu'on voit à la fin. On va pas aborder la croche plus avant dans cette vidéo. C'est volontaire, on va laisser les triples pas de côté juste pour une question de simplification. On verra ça sur une autre vidéo. Et peut-être. Donc là, vous voyez les quatre écritures principales de quatre rythmes qui vont pouvoir permettre de poser des rythmes différents. Donc en fonction de comment on mélange les noires, les blanches, les rondes, les croches, le rythme qui va en sortir va être différent. Donc en fait, une fois qu'on a ces notions-là de noir, de blanche, de rythme et de vitesse, on va pouvoir commencer à définir exactement le rythme, ce que c'est le rythme précisément. Le rythme, c'est le résultat de l'organisation de la durée des sons. Donc si je parle, par exemple, du rythme d'un basique Charleston, le rythme d'un basique Charleston pour moi danseur, ça va être vite, vite, lent, vite, vite, lent. On peut le compter en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va être notre manière à nous de le penser en tant que danseur. Mais en écriture musicale, on va le penser en noir, noir, blanche, noir, noir, blanche. C'est-à-dire un temps, deux temps, un temps, deux temps. Donc ça, si on l'écrit directement sur une portée, imaginons qu'on écrive le basique Charleston, voilà ce que ça va donner. Donc voilà, je vous ai représenté l'écriture rythmique du basique Charleston. Alors, vous inquiétez pas, on va essayer de le lire ensemble. Donc, pour simplifier la lecture, j'ai pas fait une portée avec 5 lignes parce que nous, en termes de rythme, on n'a pas besoin, on s'en fout de la hauteur des notes. Ce qui compte pour nous, c'est les durées, la durée des temps. Donc là, j'ai représenté une portée avec une seule ligne. Et les barres verticales sont les barres de mesure. Alors, j'ai fait la barre centrale en bleu pour qu'elle soit bien claire, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est deux mesures. Il y a un bloc à gauche, un bloc à droite. Donc sur ces blocs, sur cette ligne, j'ai mis des notes, des noires et des blanches. Et au-dessus des notes, j'ai mis des petits chiffres. Donc ces chiffres-là, c'est les comptes qu'on va avoir nous en cours. Donc par exemple, là, si je lis que les chiffres du haut, en basique Charleston, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors vous avez vu, je lis le 3 et le 4, et le 7 et le 8, parce que dans mes mouvements, ce sont des mouvements qui vont durer deux temps. Alors que les précédents, le 1 et le 2, ça dure un seul temps. Donc ça, c'est la manière dont vous avez l'habitude de l'entendre quand on le prononce en cours, quand on le prononce avec des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit bien qu'il s'agit bien de noir, noir, blanche, noir, noir, blanche. Donc deux mesures qui se suivent. En tout, ça fait donc 8 temps. On peut le lire également sous les notes, je l'ai écrit d'une autre manière, à savoir vite, vite, lent, vite, vite, lent, une autre manière de le compter quand on le fait en cours. Et on peut remplacer, en fait, ces deux premiers vite, vite, ça correspond à quoi? Ça correspond à votre rock step. Donc les deux noirs, c'est le premier rock step du basique Charleston. Rock step et le lent, là je ne l'ai pas mis, mais on pourrait mettre pause ou kick, ça dépend de ce qu'on fait. Si on le pose, on pourrait écrire rock step, pause, rock step, pause, si j'avais écrit tout le long.
mais j'ai essayé d'aérer au maximum. Donc, on a bien une mesure de 4 temps, suivie d'une autre mesure de 4 temps. Pourquoi 4 temps? Encore une fois, c'est pour simplifier la lecture sur la partition. Mais en réalité, à l'oreille, musicien comme danseur, on a tendance à entendre plutôt des sons qui... des durées qui sont plutôt sur 8 temps que sur 4 temps, de manière générale. Quand on écoute de la musique, on fait plutôt des blocs de 8 que des blocs de 4 naturellement. Donc je répète, les notes blocs de 4 ne servent qu'à simplifier la lecture. Alors nous, quand on est en cours de danse, on s'en fout de la lecture, on n'est pas en train de lire une partition. Mais ça vous explique pourquoi, musicalement, on parle de mesure de 4, alors que nous, on résonne tout le temps, enfin presque tout le temps, en 8. D'ailleurs, vous avez remarqué peut-être que les musiciens, quand ils comptent, quand ils veulent lancer un morceau, ils font 1, 2, et 1, 2, 3, et hop, c'est parti. Alors que nous, en danseurs, on dit toujours 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1. Ben c'est tout simplement parce que les musiciens ont l'habitude de lire leur partition, alors que nous, on a l'habitude de l'entendre. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc en gros, on pourrait nous décider de faire des mesures de 8 temps. Moi, j'ai décidé là de garder les mesures de 4 temps pour qu'on garde un langage commun avec les musiciens et aussi pour que quand on écrit, commence à écrire des figures un peu complexes, on ait aussi cette respiration-là visuelle. Sinon, ça fait des gros blocs et c'est difficile à lire. Donc on a traduit notre basique Charleston dans l'écriture musicale. Alors la dernière chose que je voudrais aborder, c'est... parce que là, on a fait tourner un petit peu toutes les définitions. Là, on commence à voir vraiment l'application à la danse, aux danses swing. Il y a une question qui revient énormément, c'est une difficulté de compréhension sur ces histoires de 6 temps et 8 ans. C'est quoi un truc en 6, c'est quoi un truc en 8, etc. Mais pour éclaircir ça, alors, ça peut l'éclaircir, ça peut aussi vous perdre complètement. Mais bon, j'ai fait le choix d'essayer de l'écrire, pour que ce soit plus clair, pour que vous voyez sur le papier ce qui se passe quand on danse en 6 temps. Donc voici le dernier schéma. En vrai, c'est l'avant-dernier. Mais c'est presque terminé. Alors voilà, alors oui, il fait peur quand on le lit comme ça. Mais on va y aller progressivement, pareil. On va le lire ensemble. On va le faire au fur et à mesure. Donc là, notre objectif, c'est de décomposer carrément un enchaînement complet. Là, ce que j'ai écrit, c'est un enchaînement de 4 figures en 6 temps. Mais j'ai écrit cet enchaînement de figures en 6 temps sur une partition dont les mesures font 4 temps. Donc ça va vous permettre de comprendre le bazar entre le 6 et le 8. Donc, on commence par le haut, ce que j'ai écrit en haut, les petits chiffres, 1, 2, 3, 4, etc. Si on se concentre que sur les chiffres, le premier, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis restée que sur des blanches, donc ça veut dire que sur toute cette vidéo, je mets le triple pas de côté. J'en parle pas pour l'instant, c'est volontaire, c'est juste pour faire par étapes. Parce qu'évidemment, ça complexifie un petit peu, puisque c'est une accélération. C'est des notes qui sont plus courtes, ça rajoute plus d'écriture. J'ai voulu partir sur quelque chose de très simple. Donc on part sur un enchaînement en 6 temps, mais qu'on ferait en groove. On fait pas de triple pas. Donc on fait vite, vite, lent, vite, vite, lent, lent. Donc là, ce que j'ai écrit en haut, vous pouvez le lire, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, à côté, je recommence la même chose, une autre figure en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi les 3, 4 et 5, 6 sont liés? C'est parce que ce sont des blanches en dessous. Donc ça dure 2 temps. C'est 2 temps qui sont liés. Donc si je le lis en dessous en écriture musicale, on va se mettre sur la ligne. Je vais lire noir, noir, blanche, blanche, noir, noir, blanche, blanche. Noir, noir, blanche, blanche. Vous avez vu que dans ma lecture, je ne tiens pas compte des barres de mesure. Parce que les barres de mesure, elles n'existent pas en termes rythmiques. C'est juste une simplification d'écriture, je le rappelle. Donc ça nous permet d'avoir des repères visuels, mais dans notre danse, comme dans la musique, on ne les fait pas, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Donc là, je lis la totalité de mon rythme avec juste noir, noir, blanche, blanche. Noir, noir, blanche, blanche. Noir, noir, blanche, blanche. Noir, noir, blanche, blanche. Puisque on part du principe qu'une noire vaut un temps et qu'une blanche vaut deux temps, la première mesure, donc là on garde bien ce qu'il y a entre le début et la première barre bleue, là j'ai bien quatre temps puisque j'ai deux noires, une blanche. Un, un, deux, ça fait bien quatre temps. Ensuite sur ma deuxième mesure, j'ai une blanche et deux noires. Ça fait également 4 temps. Sur la troisième mesure, j'ai 2 blanches. Ça
fait donc les deux temps plus deux temps, j'ai bien mes quatre temps. Donc voilà, là j'ai ça jusqu'au bout, vous pouvez compter. Entre chaque barre de mesure, il n'y a toujours que quatre temps. Mais nous, nos mouvements, ils durent six temps. Le send-out, par exemple, quand je vais faire mon rock, step, lent, lent, ça dure six temps. Donc en écriture musicale, vous avez vu que j'ai pris une mesure plus la moitié de la mesure suivante. Donc pour écrire un mouvement en six temps, j'ai besoin de une mesure et demie. Autant vous dire que les musiciens, quand ils prennent leur premier cours de danse et qu'on parle de six temps, c'est un enfer pour eux. Puisqu'on est sur des mesures et un style musical qui s'écrit quasiment toujours avec des mesures de quatre temps. Donc voilà, c'est assez perturbant au départ. Mais voilà ce qui se passe en fait sur le papier. Donc ensuite, si j'enchaîne un deuxième mouvement en six temps, bah, je vais partir de la moitié de ma deuxième mesure et aller jusqu'à la fin de la troisième mesure. Donc là, on voit bien sur le schéma, j'ai écrit send out, underarm, pass by, demi-circle. On pourrait mettre n'importe quel autre nom, c'était pour mettre des noms de figures en 6 qui ne soient pas les mêmes à chaque fois pour que ce soit clair. Là, on enchaîne bien 4 figures de 6 temps. Mais en écriture musicale, pour enchaîner des figures qui font 6 temps, bah, à chaque fois, ça prend une mesure et demie, plus une mesure et demie, plus une mesure et demie, plus une mesure et demie. Et ce qu'on peut bien voir en dessous, si on relie deux mesures complètes, par les petites parenthèses là, les mesures complètes, elles durent bien 8 ans. Deux mesures complètes, ça dure 8 ans. Donc là, on voit bien qu'on a 6 temps avec le send-out, et en dessous, j'ai fait des blocs avec 8 ans. C'était pour vous montrer ce qui se passe dans le temps pendant que vous dansez, et pour vous montrer que si vous faites 4 figures en 6 temps, ou 3 figures en 8 ans, ça occupe exactement le même espace, ça prend exactement le même temps, puisqu'ils font le même nombre de temps et le même nombre de mesures, donc, pour faire 4 figures en 6 ou 4 figures en 8. Donc quand on parle de 6 et de 8, ce que j'essaye de vous faire vraiment comprendre, c'est qu'il s'agit d'une durée. C'est pour ceux qui surtout qui ont du mal à comprendre de quoi on parle. On parle d'une durée, de combien de temps ça dure. Pour faire un basic charleston ou un swing out, on a besoin de 8 temps consécutifs, donc 2 mesures complètes. Pour faire un send-out ou un underarm, on a besoin de 6 temps consécutifs, soit une mesure et demie. Donc quand on fait un send-out, quand on fait une figure qui est en 6 temps, ça dure moins longtemps que si on fait une figure qui dure 8 ans. Donc il ne faut pas confondre la durée, ça dure 4 temps, ça dure 6 temps, ça dure 8 ans, ça dure 10 ans, avec le rythme du mouvement. Le rythme, c'est autre chose. Le rythme, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est l'alternance entre les noires, les blanches, les rondes, les vites, les lents, etc. On peut le traduire de manière différente. Donc c'est très important de comprendre la différence entre les deux et de comprendre que d'un côté, il y a le rythme du mouvement, d'un autre côté, il y a la durée du mouvement. Ce sont deux notions différentes qui, évidemment, se complètent. On utilise les deux. Voilà, mais écoutez, j'ai fait le tour de ces premières notions basiques de solfège. J'espère avoir répondu à vos interrogations. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Alors, je suis désolée pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui ont dû dire « Oh, mais c'est très incomplet, elle n'a pas parlé de ci. » Alors, c'est volontairement édulcoré et simplifié pour que ce soit qu'on reparte sur des bases vraiment très claires. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous aimeriez voir approfondies, ou si c'était clair pour vous. Et si vous voulez être discret, vous pouvez le faire en message privé à Swing & Shout, ou envoyer un mail, n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas en tout cas à donner un retour sur le contenu précis, savoir si ça va trop loin, pas assez loin, si vous voulez plus de détails, moins de détails, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Voilà pour cette vidéo, alors je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous proposer pour terminer un petit challenge, parce que bon, quand même, il n'y a pas de raison, on va essayer d'en faire quelque chose de toutes ces connaissances. Donc voici la dernière image. Donc cette image représente un rythme. Comme vous pouvez le constater sur l'image, alors je l'ai fait très simple et là je n'ai pas mis d'annotation évidemment pour ne pas vous orienter, pour que le challenge soit un petit peu plus difficile. Donc au niveau de la portée, vous avez d'abord deux premières mesures avec des rondes. Donc la première mesure c'est une ronde, ça dure 4 temps. Deuxième mesure c'est une ronde de 4 temps. Troisième mesure c'est blanche, noire, noire. Et quatrième et dernière mesure, c'est blanche, blanche. Pourquoi il y a deux petits points à la fin? Alors les deux traits à la fin, c'est juste pour dire que c'est fini. Et pourquoi il y a deux petits points? C'est pour vous dire que quand on arrive à ces deux petits points-là, on peut reprendre au tout début de la ligne, de la portée.
Donc là, en fait, dans la manière de lire ce mouvement-là, c'est un mouvement qu'on peut faire en boucle. Ça va vous orienter un petit peu. Et donc, ça va être faire en lecture, ronde, ronde, blanche, noire, noire, blanche, blanche, ronde. Voilà, je reprends au début après. Donc, vous pouvez le lire comme ça. Eh bien, écoutez, je vous laisse me dire à quel mouvement ce rythme peut correspondre, en sachant que, idéalement, je préfère de très 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 loin une réponse en vidéo, si possible. Et je vais demander aux musiciens et danseurs aguerris de pas jouer, parce que sinon c'est trop facile. Dans 2 minutes, j'ai 12 réponses. Bon courage à tous, merci beaucoup, et j'espère à très bientôt.